Alors ici, on voit la première sculpture de celles qui sont destinées plus particulièrement pour l'extérieur. Alors celle-ci, j'ai voulu assembler des matériaux différents et qui sont le bois d'une part, le polyester armé de fils de verre ici, le fer également et le bronze poli. Qui est ici et pour trouver une vie entre ces matériaux, pour trouver une unité, pour trouver une poésie qui les rassemble et qui en fasse quelque chose de vivant. Voilà. Cette sculpture a été, l'année où je l'ai faite, en 78, exposée au Salon de la Jeune Sculpture à Paris. Elle est ici exposée durant le mois de mai 78 dans les jardins des Champs-Élysées, non loin de la place de la Concorde, juste derrière le palais de l'Élysée. Cette autre sculpture, qui est un peu la petite sœur de la précédente, ne comporte que du polyester et du bois. Elle est ici exposée en 1977 dans les jardins de l'UNESCO à Paris. La sculpture en arrière est du sculpteur André Moore. Bon, et puis voici une colonne en bronze. La sculpture la plus dépouillée. C'est une ascension de rythme de forme simplement. Un essai d'ascension. Cette sculpture était également exposée dans les jardins des Champs-Élysées en mai 76 à l'espace Cardin. Maintenant, nous allons entrer dans l'atelier. Dans l'entrée, on voit des encres de Chine et des peintures que j'aimerais unir dans la même salle que celle où se trouvent les sculptures. Je vois les unes par rapport aux autres et ça m'aide à avancer dans l'une et dans l'autre. Je ne fais pas de la peinture et de la sculpture en même temps, mais j'alterne les périodes où je fais la sculpture et celles où je fais de la peinture, ce qui me repose de celles que je ne fais pas et me fournit un tremplin pour une période nouvelle. Ici, c'est une plaque murale, n'est-ce pas, qui vient en avant d'un mur, qui est décollée du mur, mais qui ondule à la surface du mur.
Peinture et sculpture sont pour moi des activités totalement distinctes, mais qui s'apportent l'une à l'autre. J'ai besoin d'un va-et-vient entre ces deux pôles. Départ. Alors voilà, c'est toujours une sculpture en bronze poli, n'est-ce pas? Et les noms que je leur donne ou que d'autres leur donnent, n'est-ce pas, sont des noms d'emprunt, car je ne travaille pas du tout à partir d'une figuration quelconque. Alors ici, c'est une seconde partie de l'atelier, avec des fours de céramique où ont été exécutées des grandes sculptures de céramique, et il y a déjà pas mal de temps, et également une quantité de petites sculptures que j'ai faites, qui en fait pourraient être des maquettes pour des réalisations beaucoup plus grandes. Alors j'ai quelques-unes de ces petites sculptures ici. Alors ici, ce sont des sculptures en plâtre hein, qui sont en train d'être travaillées, qui ne sont pas terminées. Voilà. Ça, ce sont des...
modèles sur lesquels je travaille. Hein. Ça. Ça. Et ici, alors ici, c'est une vingtaine de toiles qui sont en train également d'être travaillées. Sur lesquelles je travaille, je travaille sur toutes simultanément. C'est-à-dire qu'il faut, elles sont terminées au bout de 6 mois, quelquefois plus, quelquefois moins. Ça crée un paysage poétique qui me permet de poursuivre mes recherches.